Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jet Car Stunt, tout nouveau jeu qui vient de sortir sur Xbox 36. Donc en fait le concept, je l'ai trouvé pas mal du tout en fait. Hein. Donc vous avez une voiture avec turbo de jet en fait. Hein, vous allez voir directement, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai téléchargé la démo. Hein. Donc le jeu il coûte 7€. Si cette première vidéo vous plaît, je peux télécharger le jeu, il n'y a pas de souci. Et je peux faire toutes ces courses là, toutes les courses qui sont débloquées, je peux vous les faire les meilleures en vidéo quoi. Ou même les plus difficiles, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va faire la première, hein, on va toutes les faire. Hein, je vais tout vous montrer, on va voir puisque c'est une démo. Donc voilà. Oh là, oh là. Non, ça c'est le turbo ça. Voilà, hop, c'est bon. Ben voilà, j'ai trouvé ce concept pas mal parce que voilà, il y a... Niveau voiture, c'est beaucoup de circuits quand même. Et maintenant, je sais pas, sur les circuits les plus difficiles. Mais en vol, en fait, vous pouvez contrôler votre voiture avec des... Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est ces trucs là, voilà. Donc voilà, et vous contrôlez votre voiture et vous pouvez diminuer la vitesse en plein vol et faire pas mal de choses. Hein. Non, ça reste un jeu en arcade, il faut comprendre ça, il est pas cher. Donc voilà, je pense que pour s'amuser quelques heures, c'est pas mal. Oh ben voilà, vous voyez... l'utilité du jet à l'arrière, du propulseur. Petite vidéo découverte, hein, donc on verra bien pour la suite, hein, ça dépend de vous. Vous n'aurez qu'à me laisser dans les commentaires votre avis, hein, si ce jeu-là il vous plaît. Et, sinon voilà, hein, j'ai un petit dedans. Et... BAM! Voilà ce qui se passe. Oh, je parle et je fais pas attention. On va me concentrer un petit peu. Ah, terminer le circuit. Ah, vol, petite voiture, vol. Oh. Oh. Tu démarres, je te dis. Oh non, c'est mauvais. Ah, ça va, j'ai passé le point de spawn. C'est cool. Les voitures sont pas difficiles à conduire, franchement. Ah oh non, je découvre le jeu, hein, c'est normal, hein, je me plante et ça. Je connais rien du tout, hein, j'ai préféré découvrir le jeu avec vous. Oh. Yeah. Oh. Bam! Dans ma gueule. Oh non, allez, passe. Ouais. Oh, je suis passé. Oh. Wow, fini. En plus, ça a été fini, quoi. Donc, j'arrêtais pas de me planter à la fin comme un con. Ah non. Fujiai Molo. Ah, voilà. Il faut que je mette le petit boost comme ça à la fin. Allez, qu'est-ce qui se passe? Wouah! Oh, ça pète ça! Voilà, on voit un peu ce que ça pourrait donner quand même. Hein, les circuits difficiles pourraient être quand même magnifiques, entre guillemets.
Bon, pas les graphismes de Trial Fusion, hein, mais... Ouah, magnifique ça. Petit looping comme ça. Allez. Oh, pas trop loin, pas trop loin. Allez, on vole. Oh, oh, oh. Ah non. Oh, Kevin. Je suis trop fort, je suis trop fort. Franchement, voilà, y a rien à dire. Alors la faute, moi je suis genre GTA, moi direct, je défonce tout. J'irai au piston réparer mon auto. Ah ouais, non, là elle va pas être réparée là. Putain. C'est un truc de deck ce circuit. Bon, déjà il faut que je commence, hop. Vas-y, booste à fond, booste à fond, booste à fond, booste à fond. Oh, allez hop. Oh, à côté, à côté, à côté. Allez, j'y suis là. Oh putain. C'est chaud, c'est chaud, franchement. Ah, en dessous. Ah, je vais y arriver, c'est le dernier, allez. Oh, j'ai freiné un peu trop tard. Wow, 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 what the fuck. Putain, est-ce que je vais y arriver? Ouais, ouais, ouais. I believe I can fly. Ben voilà. Bon ben voilà, je vais vous montrer les deux derniers circuits du contre-la-montre. Hein, donc j'étais en plateforme tantôt, donc voilà, j'ai le dernier, avant-dernier facile. Et donc voilà, on est parti. On va voir ce que ça va donner, hein. Je vais essayer de pas trop me tuer la gueule. J'adore vraiment le concept, déjà la voiture elle tourne pas si on utilise... On n'utilise pas trop les ailettes là. Et donc à chaque fois il faut donner un petit coup d'ailette, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir déraper. Et elles sont super utiles. Ben voilà, quand on vole. Donc là je les ai pas utilisées, voilà ce qui m'a valu. Donc on start dans ma gueule. Ouais, donc vous pouvez quand même utiliser la totalité de votre boost en chaque point de spawn, ça c'est cool. Donc à la limite vous pouvez bourriner à mort. Voilà. Et on va passer à la toute dernière course de cette démo que j'ai quand même kiffé personnellement. Je sais pas vous, mais moi j'ai kiffé. Le circuit est un peu plus grand quand même. Le tour est un peu plus grand, mais le circuit n'est pas exceptionnel, donc c'est pas avec de grandes cascades et des trucs assez compliqués à passer. À mon avis, si on se planterait, facile. Qu'on se planterait trop, ce serait pas très bon, on n'arriverait pas à terminer le circuit dans les temps. Là ça va, on arrive à le terminer, c'est assez simple. J'en peux plus là, là je suis en... Je deviens fou là. Si. Ouais, il fallait que j'arrête d'appuyer parce que j'allais me planter, c'était sûr ça. C'est sûr, allez. Wow, 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 wow. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Ah, et puis c'est le dernier tour, on est bientôt terminé. Ouais. J'ai quand même du retard, vachement de retard à mon avis, ouais.
ça sonne déjà alors que je suis pas près de la ligne d'arrivée. Ben voilà. Alors moi j'ai kiffé moi. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Et si vous voulez plus de vidéos là-dessus, à ce moment-là, je devrais investir dans le jeu. Bon ben moi je vais vous laisser sur ces images. Jet Car Stunt. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à me rejoindre sur mon groupe Facebook Journal du Geek Officiel. Ça me ferait super plaisir tout ça. Allez, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort.